La apertura académica del vigésimo Congreso de la AMSE estará a cargo de un panel integrado por reconocidos y reconocidas especialistas en el estudio de los vínculos entre la educación y cada uno de los ejes del Congreso. En el panel de apertura nos concentraremos en los desafíos de la educación y la formación ante el desarrollo sostenible y las migraciones. La conferencia de clausura se centrará en el eje de la sociedad digital. El panel de apertura está integrado por Marguerite Altet. Ella es profesora de filosofía, titulada psicopedagoga en la Escuela Normal de Maestros, formadora de profesores en varios institutos de formación del profesorado, ha sido maestra de conferencias de ciencias de la educación en la Universidad de Caen, luego profesora en la Universidad de Nantes y directora del Instituto Universitario de Formación de Maestros del País de la Loira. En 1992 fundó el Laboratorio de Investigación CREN, Centro de Investigación en Educación de Nantes, donde desarrolló un análisis plural de las prácticas y situaciones educativas. Dirige numerosas tesis doctorales y tesis de habilitación para dirigir investigaciones. Actualmente es profesora emérita de Ciencias de la Educación en la Universidad de Nantes, miembro del CREN y dirige actividades internacionales sobre los sistemas de formación e investigaciones sobre las prácticas de enseñanzas en diferentes contextos, especialmente en África francófona. Ha sido responsable entre el 2001 y el 2012 de la Red Internacional de Investigación Observación de las Prácticas Docentes. Ha publicado una treintena de libros, sola o en coautoría, y numerosos artículos sobre la formación y la profesionalización del profesorado, así como sobre la caracterización y el análisis de las prácticas docentes. Su trayectoria es de formadora e investigadora. El título de la conferencia de Marguerite Altet es el siguiente: La profesión docente en una sociedad cambiante, entre tensiones y desafíos. Una posible palanca, la apropiación colectiva de los resultados de la investigación por parte de los docentes como desarrollo de una capacidad de acción profesional. Bonjour. La thématique que je vais traiter, c'est celle de la professionnalisation des enseignants. Plus exactement, mon thème, la profession enseignante entre tensions et défis, l'appropriation collective des résultats de la recherche par la profession et la collaboration pour développer le pouvoir agir et se professionnaliser. Mon plan, je partirai d'un état des lieux qui montre que le processus de professionnalisation internationale est en crise. En deux, d'un autre côté, il y a un développement continu de la recherche en éducation. En trois, il y a des avancées de professionnalisation sur la formation des enseignants, mais pas sur la profession. Et je réfléchirai avec vous sur les leviers à utiliser, qui pour moi sont ceux de la formation continue de proximité entre pairs, par le partage collectif des apports de la recherche et par la collaboration, afin que les enseignants eux-mêmes prennent en charge leur professionnalisation. Voilà. Je pars donc des constats que vous connaissez. Il y a une évolution constante de l'enseignement et des tensions. L'enseignement n'est plus une vocation, il n'est plus non plus un métier artisanal. Depuis 30 ans, il y a un véritable mouvement vers la professionnalisation qui tente de répondre aux transformations de la société. Et cette tendance internationale, qui a été copiée sur les professions libérales, vise à transformer structurellement le métier d'enseignant en profession, à partir d'une universitarisation, de connaissances universitaires propres au métier, une formation longue, une autonomie au travail, une responsabilisation des enseignants et un jugement professionnel construit des stratégies éthiques. En réalité, ce qu'on voit, c'est un processus dans les différents pays à plusieurs degrés, plusieurs dimensions, qui concerne soit la formation, soit la profession, mais avec des mises en œuvre très contrastées, des avancées sur la formation, et parfois encore dans beaucoup de pays, la professionnalisation reste une fiction, voire une simple rhétorique. Donc en réalité, les politiques néolibérales, les conditions économiques, sociétales actuelles, les conditions d'exercice du métier d'enseignant qui continue de changer, demande aux enseignants tous les jours de s'adapter, de relever sans cesse de nombreux défis sans qu'ils puissent se professionnaliser. Oui, le travail enseignant a changé, mais pas en mieux. Des problèmes affectent la profession. Il y a un alourdissement des tâches, le stress, une hétérogénéité très grande des publics, des ressources moindres, des compressions budgétaires, un désengagement des États et une mise en place systématique de l'évaluation de standards, d'indicateurs de performance, avec, important, une crise du savoir ainsi qu'une mutation créée par le numérique.
Alors, connaître les matières à enseigner, même quelques recettes pour tenir sa classe, ça ne suffit plus pour savoir enseigner. Les recherches ont montré que le travail enseignant est une activité complexe de haut niveau qui nécessite des savoirs professionnels multiples, des compétences et des attitudes qui facilitent l'apprentissage, ainsi qu'une dose d'autonomie pour pouvoir inventer des stratégies et un jugement professionnel fort. C'est donc un travail spécialisé et complexe, avec autrui et sur autrui, exigeant, où les relations avec les élèves sont centrales et qui nécessitent donc du professionnalisme. Avec ces conditions, en 2022, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en réalité, l'enseignement échappe peu aux formes établies. C'est un constat de chercheurs qui avait déjà été fait par Maurice Tardif et Claude Lessard en 2004. Ils avaient vu que la profession enseignante demeurait un métier artisanal où subsiste l'apprentissage du métier sur le tas, la valorisation de l'expérience, des classes cloisonnées, beaucoup d'individualisme, une forte féminisation, parfois une précarisation du métier, et peu de coopération entre pairs, des cours le plus souvent dialogués et encore une vision statique du savoir. Un autre constat des mêmes auteurs plus récents avec Morales Perlaza, malgré cette rhétorique mondiale sur la professionnalisation, ça fait 30 ans de réformes sur la professionnalisation et on a un bilan mitigé. Il n'y a pas d'ordre professionnel comme dans les professions libérales, il y a peu d'autonomie et peu de gestion collégiale dans les établissements et en plus, surtout, un faible poids politique des enseignants face aux politiques néolibérales des États basées sur des standards et des évaluations de performance. Certes, il y a bien une formation professionnelle universitaire initiale améliorée, avec plus longue, plus de savoir, mais partout, elle est jugée trop abstraite et théorique, éloignée du terrain, inefficace, avec une formation continue qui, elle, reste souvent insuffisante et parfois inexistante. Alors, une profession qui reste floue, en crise et dévalorisée. En parallèle, à côté de ça, il y a un développement continu de la recherche en éducation. Les chercheurs sont productifs sur l'enseignement-apprentissage, le teaching comme processus interactif. Il y a tous les handbooks de recherche depuis 1963 jusqu'à maintenant sur le métier d'enseignant, sur le teacher et la professionnalisation. Il y a les excellents travaux d'Atti, Tardif et beaucoup d'autres. Sur la formation initiale et continue, il y a tous les travaux que j'ai menés avec Pernoud, Paquet, Lessard dans le cadre des REF. Sur le sentiment d'efficacité personnelle et le développement personnel, il y a les travaux de Bandura et d'autres. Sur la coopération professionnelle et l'organisation apprenante, il y a les travaux de Marcel Djembélé, de Bouvier. Tous les apports des recherches dont j'aime parler sont abordés en formation initiale. Ce sont ces apports-là qui forment la connaissance professionnelle de l'enseignant. Mais en réalité, ces apports sont très peu utilisés sur le terrain lorsque l'enseignant sort de formation initiale. Et pourtant, les apports de ces recherches permettraient aux enseignants de comprendre ce qu'ils font. Par exemple, nos travaux visent à décrire, à caractériser et comprendre le fonctionnement des pratiques effectives, le processus interactif en jeu enseignement-apprentissage. Ce sont des grilles de lecture pour la formation. Notre modèle des processus interactifs contextualisés nous a permis de repérer des organisateurs des pratiques enseignantes. Nous avons travaillé sur comment comprendre les processus interactifs, l'articulation fonctionnelle de l'enseignement et de l'apprentissage en situation, avec une analyse fine des interactions maître-élève, de la coactivité enseignant-élève. Ce sont les travaux de notre université, du CREN, le réseau Open, Observation des pratiques enseignantes, avec mes collègues Marc Bruck, Lynne Borchard-Laville et d'autres. Et nous avons sorti un modèle de la pratique enseignante en trois domaines constitutifs à l'interaction. Le domaine relationnel, ce que fait l'enseignant en tant que personne, le climat, les interactions, la gestion de la classe, le domaine pédagogique, tout ce qu'il met en place comme condition d'apprentissage pour faciliter l'apprentissage et l'évaluation, et le domaine didactique, comment il gère et structure les savoirs à apprendre, avec en plus une connaissance de la structure cognitive des enseignants qui fait que chaque enseignant est différent. Ces mêmes travaux ont été repris aux États-Unis par Hamre Piana, qui a retrouvé les mêmes dimensions, Emotional Support, Classroom Organization, Instructional Support. Et ce qui donne ce modèle de la pratique enseignante qui peut aider les enseignants à travailler en comprenant ce qu'ils font autour des trois logiques qu'ils mettent en œuvre, pédagogique, didactique, épistémique, autour des logiques de l'élève, sociale, psychologique, dans un climat de tension autour de la situation qu'ils construisent, comment ils vont mettre en œuvre des interactions, des ajustements, des transactions pour arriver à un équilibre et faire tenir à la fois la classe et faire apprendre.
ces travaux-là aident l'enseignant s'il les connaissent. Il y a d'autres recherches sur l'enseignant lui-même qui montrent qu'un enseignant est valorisé quand il est réfléchi et collaboratif. Ce sont les recherches PISA, Thalys, OCDE, sur les systèmes éducatifs performants qui valorisent la profession. Ils ont dégagé des facteurs qui ont une incidence sur le sentiment d'efficacité personnelle et professionnelle des enseignants de Bandura. Par exemple, la maîtrise de la classe, le climat, l'implication des élèves en classe, leur activité, les interactions, leur multitude d'interactions. La compréhension de sa pratique, comment analyser sa pratique aide l'enseignant à mieux agir, la mutualisation des pratiques réussies, la collaboration avec les collègues, l'entraide en vue de l'amélioration des apprentissages, mais aussi la participation des enseignants aux décisions de l'école, la satisfaction qu'on a à l'égard de son établissement. Tous ces facteurs montrent l'action clé du sentiment d'efficacité personnelle de chaque enseignant sur la réussite des élèves. Et les pays aux meilleurs résultats ont des enseignants aux pratiques réflexives et collaboratives. Bien voilà des leviers qui peuvent être utilisés en formation initiale, dans un modèle professionnalisant. Lorsqu'on met en place en formation initiale une alternance intégrative entre la pratique de départ, la théorisation et la pratique améliorée grâce justement à une mise à l'épreuve des théories dans la pratique. Lorsqu'on met en place une formation centrée sur la construction des compétences professionnelles avec des référentiels. Mais les référentiels, le problème, c'est qu'ils sont pour la plupart du temps conçus par les décideurs ou les chercheurs et que pour les enseignants, jamais par les enseignants eux-mêmes. Et souvent, ils restent décalés par rapport aux pratiques. Même chose pour les savoirs de la recherche. Ce sont les chercheurs qui les ont trouvés. Ils sont transposés, certes, mais ils sont peu réinvestis sur le terrain, peu validés par les enseignants. Alors, comment faire? Comment tirer profit de la recherche et de tous ces apports? Comment former un enseignant réfléchi? Eh bien, par la formation continue dans les écoles, par une démarche de formation de proximité entre pairs, avec par exemple, en faisant de l'analyse pratique, avec des accompagnateurs qui sont des formateurs, des enseignants chevronnés, qui vont aider l'enseignant dans son établissement à comprendre le fonctionnement de sa pratique mise en œuvre et les apprentissages, en développant sa réflexivité. Ils vont l'aider à mettre en œuvre de nouvelles situations d'apprentissage, les expérimenter, permettre de construire une adaptation aux situations actuelles, permettre de résoudre des problèmes et permet ainsi de faire face à l'incertitude des contextes actuels et de développer la professionnalité de nouveaux enseignants avec une capacité de jugement et un véritable sentiment d'efficacité personnelle. Et voilà, la démarche d'analyse des pratiques, c'est une démarche compréhensive, accompagnée par des accompagnateurs, formateurs, et instrumentée par des savoirs. Donc, on apprend à l'enseignant à mettre à distance ce qu'il a fait, à comprendre ce qu'il a fait faire aux élèves, comment l'élève a appris, à voir plusieurs points de vue, les hypothèses de lecture, ce qu'il a fait, à comprendre les facteurs en jeu, sans modélisation, en lui donnant des outils d'analyse qui vont lui permettre de recadrer sa pratique, de la formaliser, et de développer ce qu'on appelle un savoir analysé dans sa classe, pour développer ainsi le pouvoir agir et s'adapter en permanence. Alors, se professionnaliser aussi en collaborant dans les écoles, dans les établissements. On a vu que la professionnalisation de la formation initiale, quand elle est impulsée par des décideurs et des chercheurs, n'a pas entraîné les enseignants dans la voie de la professionnalisation. Par contre, on voit nettement l'évolution d'anciennes professionnalités et la construction de nouvelles adaptées qui se fait sur le terrain si elle est maîtrisée par les enseignants eux-mêmes, par la profession elle-même, et avec certaines conditions. Il faut que les savoirs professionnels utilisés issus de la recherche soient reconnus, validés par les enseignants, que les stratégies efficaces trouvées par les chercheurs soient essayées, testées, qu'il y ait une autonomie au travail, un prescrit ouvert qui permette l'inventivité, une référence éthique. Et lorsque la formation initiale et continue est pilotée par les enseignants eux-mêmes professionnels et pas par les décideurs ou les formateurs, eh bien, on voit effectivement à ce moment-là une professionnalisation. Lorsqu'il y a une prise collective des acteurs sur leur métier, un contrôle par les pairs, une expertise par les pairs, une reconnaissance interne et sociale pour une fonction qui est difficile à enseigner, mais qui est valorisée par les réussites sur le terrain par les acteurs eux-mêmes. Et donc, quand on constate qu'une professionnalisation du métier n'existe pas dans les établissements, eh bien, ça existe quand il y a un travail collaboratif entre pairs et lorsqu'il y a des résultats obtenus au niveau de la qualité de l'éducation. C'est pourquoi il me semble essentiel
d'institutionnaliser le rôle de la profession, si on veut les professionnaliser, par la collaboration et la mobilisation des acteurs dans les établissements. Les enseignants qui, ensemble, sur le terrain, analysent, améliorent leurs pratiques et les apprentissages, qui deviennent des professionnels de l'apprentissage. Les enseignants praticiens professionnels accompagnés par des formateurs qui vont s'engager eux-mêmes dans la formation de proximité de leurs pairs. Des praticiens engagés dans des projets de recherche collaborative, dans les écoles, des innovateurs, des praticiens impliqués dans l'évaluation de leur établissement, si on leur donne les données et leur montre les besoins sur lesquels ils doivent travailler, pour aller comme cela vers des établissements efficaces qui font la différence et accompagner le changement sur le terrain par les enseignants réflexifs et collaboratifs. Il s'agira alors de développer des établissements, organisations apprenantes où s'engagent les apprenants, les acteurs ensemble. Les enseignants, je l'ai dit, impliqués dans l'établissement, qui participent aux décisions, pas seulement les chefs d'établissement, qui résolvent ensemble les problèmes rencontrés, qui répondent aux besoins, qui innovent, qui améliorent les apprentissages dans leur établissement, avec des formations de proximité négociées au sein des établissements. Ce ne sont pas les inspecteurs qui viennent proposer une journée de formation, mais ce sont les enseignants eux-mêmes qui répondent en équipe aux problèmes qu'ils ont diagnostiqués. L'établissement devient le cadre d'apprentissage individuel et collectif coordonné, comme le montre Bouvier, avec un formateur accompagnateur. À partir d'une demande collective, des actions prennent sens dans le cadre de l'école qui devient le lieu de professionnalisation interactive. Lorsqu'il y a un processus de résolution de problèmes d'apprentissage collectif, les enseignants se professionnalisent. Lorsque le pilotage par les enseignants est orienté vers l'amélioration des objectifs d'apprentissage, lorsqu'il y a une prise en main de la profession par les enseignants pour une véritable professionnalisation, la leur. En conclusion, je dirais que les enseignants, acteurs collectifs, autonomes, doivent se trouver au centre de la professionnalisation. Tardif et Lessard, en 2004, voyaient trois scénarios pour l'avenir des enseignants. Le pire, c'était le retour du modèle traditionnel inégalitaire, avec même une précarisation, voire une déprofessionnalisation. Le second, c'était la prise de pouvoir par les technophiles et les nouvelles technologies et les neurosciences. Et le troisième scénario, c'était une marche ouverte des organisations apprenantes professionnelles. Vous l'avez compris, je partage ce troisième scénario en remettant les enseignants au centre de la professionnalisation. Des enseignants valorisés, collectifs, capables d'actions professionnelles réussies dans leurs établissements, des actions partagées, diffusées, s'appuyant sur la recherche dont ils ont reconnu le bénéfice. Des enseignants qui créent un réseau d'émancipation, qui prennent eux-mêmes en charge le processus de leur professionnalisation. Un ouvrage vient de sortir avec Alté, Baya, Marcel, Tardif et Pio, qui fait le point sur 30 ans de réforme de professionnalisation. Alors comment, vous allez me dire, tout ça c'est d'utopie? Eh bien pas du tout. Nous avons vu des exemples de professionnalisation, des exemples d'inventivité réalisés pendant la pandémie du Covid par les enseignants qui ont su se réorganiser à partir de rien, qui ont su réinventer des pratiques et faire réussir leurs élèves dans une situation nouvelle très difficile. Et c'est à ça que ce congrès peut réfléchir, des pistes contextualisées pour les différents pays de professionnalisation par les enseignants eux-mêmes. Merci de votre attention. Voici quelques références biographiques. Au revoir. Integra también el panel Robert White, que es actualmente profesor en educación con especialización en liderazgo y práctica inclusiva en la Universidad de Queen Margaret en Edimburgo, Escocia. Sus investigaciones se centran en la justicia social en y a través de la educación. Su trabajo se nutre de su investigación relacionada con el liderazgo escolar, las disposiciones del profesorado, la receptividad cultural y la educación holística, que demuestra que al integrar el juego, la agrupación social y las actividades prácticas en todo el aprendizaje, podemos mejorar el compromiso de los estudiantes, el desarrollo social y el disfrute educativo. Robert White ha sido académico e investigador durante más de 15 años. Antes de convertirse en académico, fue educador al aire libre, profesor de educación primaria, profesor de educación especial en todo el país, director de escuela primaria y, más recientemente, coordinador internacional para la inclusión y la equidad en el Grupo de Trabajo de Profesores de la UNESCO.
El título de la conferencia de Robert White es Disposiciones del profesorado, actitudes y creencias que sustentan el compromiso, la inclusión, la equidad y la justicia social. Hello, I'm Dr. Robert White, professor in education at Queen Margaret University in Edinburgh, Scotland. And I want to talk to you today about the teacher dispositions that support social justice in and through education. And I see this as really rooted in inclusive communities of learners. And I hope to be able to explain that as we move forward. So really what I'm talking about is teachers really acting as lead learners. What we really want to develop is a confident and competent group of learners, from the teacher to the student to the school leaders, all being lead learners. And really, social justice and peace building begins with inclusive engagement in equitable education. So we really want to look at teachers as agents for social change and being committed to social justice and equity. And I have found that teachers who are committed to this share 6 dispositions, professional dispositions. And if we combine this with a transcultural perspective of becoming culturally proficient in the learning environment, we can support student engagement that in turn leads to a sense of belonging, that in turn leads to inclusive and equitable learning environments. So the first disposition is a psychosocial cultural consciousness. And really what I mean by this is the knowledge that that social cultural structures, social and cultural structures have on individual experiences and on their opportunities and the characteristics that they develop, especially in the learning environment for our purpose. The second one is the holding high expectations for each and every learner in your environment. So we want to move beyond a deficit model, beyond a label-based system, and really ensure that we have high expectations for all our learners. We have to respect each and every student. We have to respect their background and believe that all students can excel and thrive if we develop an inclusive and equitable learning environment. The third disposition is a desire to improve lives. We can see teachers not only as change agents for improving education and educational systems, but we can also see teachers as agents for social change. If we want to build inclusive environments and cultures of peace, then we, you know, teachers are all on the front line of that. So they really have to have a desire to improve lives. They have to see themselves as competent agents for inclusion and equity. And I've said it in many talks before that it's not just about knowing math that makes you a good teacher. It's not just about knowing science and literacy that makes you a good teacher. It's about understanding everyone's background and how they experience the world, having high expectations for all learners, and really wanting to improve the lives of all learners. In short, we won't have inclusive and equitable systems, no matter how much we know about math, if we're, you know, racist, sexist, or bigoted in some way. So keep that in mind. The next step is really looking at how our dispositions support the pedagogy that leads to inclusive and equitable systems, and which really, once again, starts with student engagement. So we have to look at the dispositions, the second set of 3 dispositions that really support engaging with what I call pedagogy for equity. So if we have teachers take a social constructivist approach to where they understand that all knowledge is situated and constructed through experiences. So depending on my background and what my cultural practices are, my socioeconomic background, that will impact on my experiences, how I interact with others, and how I actually interpret
engagement with others, and then being able to reflect on that. So if we take that social constructivist approach, we understand that we have to build on previous knowledge. Then we combine that with the holistic knowledge of our students. You know, who are they? What are their lived experiences? What are their backgrounds, their families? We need to know this for every student. We need to know also where they are in their learning and the next steps and best ways to support their holistic learning and development. And what I mean by holistic learning and development is moving away from a cognitivist approach to understanding learning to a social cultural and social constructivist approach to knowing that we're responsible for the social, emotional, and cognitive development of all learners if we want to have an inclusive and equitable classroom. And then finally, we have to become culturally competent and move into the realm of cultural proficiency in our teaching practices. So I found that being able to do this, you know, once we embrace social constructivist approaches and take a holistic knowledge of our approach to the social emotional development of our learners, we can implement a universal design for learning, understanding how that if we make our plans for our learning engagement from knowing our students and knowing their backgrounds and knowing where they are and where we're trying to help them get to, we have a better chance of having an inclusive and equitable system. So if we take that UDL and combine it with opportunities based on the student's zone of actual development from a Vygotskian perspective to understanding their zone of proximal development, we can engage them in learning opportunities within their typical intellectual engagement capacities. And then help to build those typical engagement practices. And I think this is best situated if we embrace Elkonen's research on the three aspects that people seek most to nurture, you know, in their lives, basically. But it also nurtures engaged learning. And that's by embedding play, social grouping, and practical activities in all our learning environments. You know, we enjoy play. I think all animals enjoy play. Humans enjoy play. Young people enjoy play. We understand the root of play in development for early years, but we need to actually embrace that throughout all learning opportunities, whether we're working with very young children or adult learners. We all value play. We are social creatures. We value social grouping. We develop a sense of belonging through social grouping, and we enjoy practical activities. So I often argue if you're teaching science and math and literacy, combine it all together through in embed play in that social grouping so there's cooperative learning. And then if I want to teach fractions, measurements, mixtures, bake a cake. Think about all the fractions you can teach, the measurements you can teach, the scientific processes behind baking a cake and what happens when the cake is baking. So we can take that thematic UDL approach to learning multiple things in practical activity that results in what else we enjoy. Eating cake, right? So think about that as you try to look at engaging your learners. So I've done a quick introduction to the six dispositions of teachers that support inclusive and equitable environments. And I do believe that these are malleable dispositions. In other words, they can be taught, they can be enhanced, and they can be supported through initial teacher education programs and also through professional development and how our school leaders engage with our teachers through professional development, coaching processes, that sort of thing. So these are malleable, they can be enhanced, and they are at the root of student engagement. So I say if you want to assess good teaching, you should assess student engagement. So it's not about going into a classroom and saying, this is what I want to see because this is how I define good teaching. It's about going into your context
and seeing if the students are engaged. If the students are engaged and they're learning and they're happy and they're thriving, then you have good teaching going on in your context. It may be look different than other people's context, but what we want to do is not, you know, homogenize everything. We want to celebrate the similarities and the differences that lead to engaged students. So we have to look at understanding how these six dispositions can be enhanced, supported, assessed, even in teacher education programs, to really develop high quality teaching and learning. And I argue that begins with learner engagement that develops a sense of belonging. And there's really five pathways that teachers need to understand to get to learner engagement. You have to, there has to be intrinsic value into the activities that you're offering. If it's boring and it's unexciting, there's no play attached, there's no social grouping attached, there's no practical activities, what's the intrinsic value to the learning experience? Yes, you can get into behavioristic processes of rewards and punishments and bribes and all those things. But research shows that undermines intrinsic valuation. We need to move outside of extrinsic motivation to intrinsic valuing of the activity. It has to be important to us in our current level of development. And it has to bring in associations. So it has to, that's where the practical activities come into play. So what is the association between what I already know and what you're expecting me to learn? What's the association with my lived experiences to what we're engaging with? And then we move on to empowering learners to be self-directed, confident, and competent, independent learners. I say a great classroom to walk into is when you can't tell who the teacher is. Everyone's engaged in the learning process. So the teachers are really acting as social change agents, creating inclusion through the social grouping processes and in practical activities, and really empowering students to take charge and become their own lead learners. And then, of course, that leads to mastery. If we can get all of this together, we can lead to a mastery of the learning process. So a lot of people have heard of the Pythagorean theorem, and they can tell you A squared plus B squared equals C squared, but have they mastered that? What does that actually mean? What does that look like in real life? So yes, they might be able to tell you what it is, but can they use it? Then think about learning how to ride a bike. So a lot of people grew up learning how to ride bicycles, and you can ask adults, and a lot of them will raise their hands. Yes, at one time I learned how to ride a bicycle. When was last time you rode a bicycle? 15 years ago. But if they got back on that bicycle, they could ride it. You know, so think about that. So what learning is compared to what memorization is, what learning is compared to education, what learning is a practical activity that can lead to enjoyment, that gets students engaged, and they master it, and which means they'll never forget what it's for, how to use it, type of thing. So keep that in mind. So if you're going to look at these six dispositions of teachers that support inclusive and equitable education, and we understand student engagement is at the real root of inclusive and equitable school systems and learning environments, then go in and look at the engagement that you have in the classroom, in the school, in the learning environment. And I mean engagement by all learners. And if we see everybody in the school system as learners, teachers, students, school leaders, then we look at their engagement. And there's ways to assess that to know if I'm getting where I want to get in the learning environment. So once again, we need high engagement from all learners. We want teachers to be engaged. We want students to be engaged. We want parents to be engaged. We want school leaders to be engaged. We can assess this based on behavior engagement, cognitive engagement, and emotional engagement. So let's move beyond the cognitivist,
assessing math and literacy, yes, they are foundational to learning, but if we look at the social, emotional, and cognitive aspects and understand that student engagement is at the root of educational success, then we need to look at that, assess it, and look at what's working, what's not working, how can we improve it? So are all the learners in the system participating in school functions? Are they participating in classroom activities and discussions? So remind yourself that we don't just respond to disruption, we respond to lack of engagement, right? So there may be some students sitting in the back of the classroom, they're not disrupting, but they're not engaged. That's what we need to focus on. So how do we get everyone engaged? Do they treat themselves and others with respect? Are they advancing their knowledge? Are teachers advancing their knowledge? Are school leaders advancing their knowledge? Are students advancing their knowledge? Do they desire challenge? Are they empowered to make mistakes? Are they self-regulated? Can they plan? Can they monitor? Can they evaluate their own learning processes? And then, do people trust each other? Emotional engagement. Am I comfortable talking to my peers? Am I comfortable? And what I mean, once again, teachers talking to teachers, students to students, school leaders to school leaders. Can I talk to my peers and say, what am I struggling with? What are my challenge? Am I engaging with, you know, in those social groupings? Am I asking questions? Am I curious about the content and what's going on? So we want to see teachers as lead learners, and we want to help students become lead learners, but we want all learners in the system to be engaged. And the final thing I do want to really highlight in this short amount of time is we need school leaders to also be lead learners and agents for change as well. And they have to support the student engagement. They have to support the teachers' acquisition, enhancement, and support of those six dispositions to really get an inclusive and equitable school system. And there's really four pillars of effective school leadership that support the teachers in their engagement activities. So if the school leaders can prioritize improvement of the teaching and learning processes through coaching, providing professional development activities, and we can continue to support the processes that the teachers are engaging with, that the students are engaging with. And then they have to take on the role of building capacity through support and empowerment. And really what I mean by we have to support teachers in being agents of change, not just promoting the status quo. So what's working, what's not working? If we come up with a new idea, we have to have room to make mistakes, right? Not everything works, but we need to try, and we need to continually try, and failure is part of the learning process. We have to work that in for everybody in the environment. We can't be perfect all the time. We have to learn how to fail. We have to learn how to pick ourselves up and move forward without being ostracized. So we have to empower people to take chances. Is there learning without challenge? Is there challenge without risk? No. So we have to empower people. Then we have to actually promote, we want our school leaders to promote systems learning, systems-wide learning. So we don't want good practice in one classroom or in one school. We want to be sharing knowledge of what works, what doesn't work. We need to engage people. We need to set the space so school leaders can go out and talk to other school leaders, so teachers can talk to other teachers, and students can talk to other students. We shouldn't just have a classroom, the door shut, and the teacher and students do their thing in that classroom. We need to take a more Vygotskian approach to understanding that more competent peers can help others. So if we take a year six class and we're doing literacy and we're engaging with literacy, we can have them work with younger students. That's what a family looks like. That's what a culture of peace looks like. Other people helping other people through the learning process, helping everybody become lead learners. And then to be a lead learner, really the ultimate is to facilitate the learning of others. So we learn how to facilitate our own learning, and then we share with others
and help them facilitate their learning. And then we have to really sustain an open and collaborative culture. So once again, we don't want to be isolated in our rooms. We don't want to be isolated in our schools. We don't want to be isolated in our districts. We want to be able to come together like we are here today, sharing what works and really encouraging people to understand that learning is a holistic activity that supports and enhances emotional development, social development, cognitive development, and supports people's mental health to engage effectively with the challenges and struggles that should be associated with the learning process. So really what I want to leave you with here today, and I know this has been a bit of a whirlwind, and hopefully you'll be able to dig further into these six dispositions, look at play, social grouping, and practical activities as the foundation for engagement, which is once again the foundation for inclusive and equitable systems. Remember that inclusion isn't about opening our doors to everyone. It's about welcoming everybody in and engaging in them in all of our activities and empowering everyone's voice. So that's what inclusion is. A lot of people have an open door policy, but does everybody feel safe to share, to take challenges, to take risks, to participate in, you know, to their full capacity? So think about that as well. And then how that underpins social justice, not only in our learning environment, but across our communities. So a little food for thought I want to leave you with really is think about teaching and learning, the difference between being schooled, the difference between being educated, and the difference between learning. So what is schooling? What is education? What is learning? What we want to become is facilitators of the learning process, not just instructors that have knowledge and transmit that knowledge to others. We want to help other people become critical thinkers, curious and engaged in all learning opportunities. But if teaching becomes too technical, the soul is lost. Okay, so the example I use is Frankenstein. Think about you know, the monster Frankenstein, and the technical aspect of that story and how the soul was lost. So we don't want our school system to take the soul out of learning. So even though teaching is both a science and an art, you really have to look at this as if it becomes too technical, you take the soul out of learning, just like the soul, you know, Frankenstein process there. So therefore, to be successful in our drive to be inclusive and equitable, we must embrace education as an interhuman art form. And what I mean for that is what I was talking about. It cannot become too technical. So it is both a science and an art. We have to be able to express the art, meet the needs of the context of our learners in an inspiring way. So we want to use that art form to empower our educators and inspire and engage our learners. So that's really what we need to do in our teacher education programs, in our professional development programs, and in our school leadership engagement. So hopefully that gives you some food for thought, and that wraps up my presentation for today. And thank you for joining us here and engaging in this meaningful dialogue. Nos acompaña también en el panel Adela France, quien se licenció en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en la misma materia por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora titular del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son las políticas públicas, especialmente las ligadas a la inmigración, en particular las educativas. Dirige actualmente el grupo de investigación Antropología de las Políticas Sociales y Culturales, de la Universidad Complutense de Madrid. El título de la conferencia de Adela France es Políticas Educativas e Inmigración, Apuntes desde España. Buenos días.
Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este congreso a sus organizadores y también la atención de las y los participantes en este evento que atiendan a mi intervención en diferido. En mi presentación quiero aportar algunas consideraciones sobre los procesos de inserción educativa y las experiencias escolares de niños y jóvenes de origen inmigrante en Madrid. Para ello me voy a basar en distintas fuentes e investigaciones, entre otras las realizadas por un equipo al que pertenezco en 30 centros de educación secundaria obligatoria en Madrid y un estudio en profundidad de dos centros con alta escolarización de alumnos inmigrantes, en particular latinoamericanos. El sistema educativo español ha pasado por sucesivas reformas, y desde la recuperación de la democracia se precia de ser garantista e inclusivo, recoge el ideario de lucha contra todas las formas de discriminación o exclusión y se sustenta, al menos teóricamente, en el principio de educación en y por la diversidad, entendiendo por ella la que deriva de factores culturales, étnicos, de género, sociales o económicos. A pesar de ello, las estadísticas oficiales ponen de manifiesto que los alumnos pertenecientes a sectores socioeconómicos bajos son los que más dificultades escolares presentan y entre ellos el alumnado de origen inmigrante sufre, comparativamente hablando, mayores desigualdades educativas que este alumnado español que pertenece a sectores socioeconómicos que podrían considerarse equivalentes. Estas desigualdades afectan no tanto a su acceso al sistema educativo como a la permanencia en él y a la conclusión satisfactoria de los estudios obligatorios. Por ejemplo, se revelan las mayores tasas de abandono antes de los ciclos secundarios obligatorios, en trayectorias escolares más cortas y en la mayor frecuentación de circuitos formativos alternativos de menor valor social. Ante esta realidad persistente, desde nuestro punto de vista, es preciso trascender la letra de la filosofía educativa o sus aspectos puramente formales, puesto que una visión excesivamente centrada en la norma suele dejar de lado los márgenes de maniobra y gestión de las situaciones concretas, así como las interpretaciones que definen las modalidades de acción de los participantes, en este caso, en el espacio educativo. En este sentido, mi interés hoy es propiciar, a través de algunas pinceladas sobre estos estudios, una reflexión sobre la puesta en práctica de las políticas educativas. Es decir, se trata de contemplar los procesos sociales, formales e informales, que le dan forma y las concretan en la vida escolar cotidiana. En lo sucesivo me detendré en algunos de estos procesos, los que considero más relevantes, y por fuerza lo haré muy sucintamente, para poner de manifiesto las tensiones que atraviesan el campo escolar y que en conjunto contribuyen a transformar la diversidad sociocultural en una fuente de desigualdad, generando variadas modalidades de segregación y fragmentación socioeducativa. En primer lugar, hay que considerar las políticas concretas destinadas a la atención a la diversidad que se han implementado en el marco de esta educación inclusiva. En las últimas tres décadas, la lucha contra la exclusión y la respuesta a la heterogeneidad del alumnado han consistido en la proliferación de programas diferenciados, es decir, extraordinarios. Algunos de estos programas se desarrollan dentro de los centros educativos, pero en aulas separadas del grupo ordinario, y con un profesorado específico que los atiende exclusivamente, tal el caso de las aulas de educación compensatoria o de diversificación curricular. También, decía, se han creado otros dispositivos que se desarrollan fuera de los centros, como los programas de formación prelaboral temprana para alumnos a los que se supone el riesgo de completar la edad de escolarización obligatoria, pero sin obtener la titulación académica correspondiente. Este conjunto de dispositivos suelen justificarse en términos de una atención diversificada y personalizada del alumnado,
con el fin de compensar sus desfases curriculares. No obstante, en la práctica han conformado verdaderos circuitos paralelos y alternativos a la escolaridad, llamémosla ordinaria. Aunque formalmente son medidas revisables y transitorias, en los hechos pueden ser definitivas para los alumnos. Así, en muchos casos, hemos comprobado que el alumnado completa la educación en estos itinerarios paralelos o encadenando distintos programas externos a los centros educativos. Y es precisamente en estos circuitos alternativos donde se verifica una sobrerepresentación notable de alumnos de origen inmigrante. Tanto es así que diversas organizaciones y entidades como el Defensor del Pueblo, por ejemplo, vienen advirtiendo de estas anomalías. Estos dispositivos acaban siendo estigmatizados y asociados a alumnos difíciles y a un trabajo pedagógico duro. Y ello incide negativamente en las expectativas de los docentes y de los propios estudiantes. Más que compensar desigualdades, parecen destinados a gestionar la heterogeneidad por medio de una segregación interior. Los gestores educativos contribuyen ellos mismos a interpretar la existencia de estos itinerarios y dispositivos específicos como si estuviesen diseñados y destinados prioritariamente al alumnado inmigrante. En efecto, las instrucciones y recomendaciones dimanadas de los organismos educativos que se envían a los centros escolares sobre estos programas acotan al alumnado en riesgo y lo identifican parcialmente, aunque de modo recurrente, con el inmigrante. En este sentido, colaboran en asentar representaciones que asocian la heterogeneidad con el déficit y, en última instancia, a este último con la procedencia etnonacional. Predisponen así indirectamente al profesorado a derivar de manera temprana al alumnado con alguna dificultad educativa a los itinerarios alternativos que favorecen un desvío precoz y su máxima externalización del sistema. De hecho, cuando les pedimos a los docentes que predijeran para un periodo de 2 o 3 años la situación escolar de sus alumnos, describieron las trayectorias en términos de los programas en los que prevén estarán ubicados estos alumnos al final de ese periodo y de los rasgos sociales que justificaban esta predicción. Es decir, que los programas y los circuitos alternativos proporcionan un sistema de categorías, de etiquetas, para clasificar y a la vez encauzar a los estudiantes. En segundo lugar, me parece importante introducir la cuestión de los sistemas de evaluación educativa que se están implementando actualmente en territorio español y en Madrid en particular, y considerar sus efectos. Estos modelos responden, como sabemos, a patrones internacionales de evaluación de conocimientos más o menos estandarizados que se aplican al alumnado de primaria y secundaria. Pero la cuestión fundamental es el uso que se hace de los resultados de estas evaluaciones. En Madrid, en particular, se hacen públicas anualmente en listas que individualizan a cada centro en un ranking que permite establecer comparaciones entre ellos en función de los resultados en estas pruebas de evaluación. Estas prácticas se basan y favorecen una dinámica ultracompetitiva. Así, los centros se ven presionados por obtener buenos resultados y pueden tender a excluir al alumnado que se le presupone puede bajar los puntajes o a derivarlos hacia estos dispositivos alternativos ya mencionados que no contabilizan en las pruebas de evaluación de nivel. Igualmente han incentivado las estrategias de selección de parte de las familias en función de la supuesta calidad educativa. De hecho, la presencia del alumnado percibido en dificultad, el inmigrante en particular, se ha convertido en uno de los principales criterios de evitación de los centros marcados por una elevada escolarización de este grupo social. Ligado a esto anterior y en tercer lugar, también es preciso abordar el fenómeno de la concentración escolar del alumnado migrante. Desde luego,
estos procesos de concentración escolar se han globalizado. En Madrid, en España en particular, tienen un largo recorrido y adquiere proporciones muy elevadas. Se caracteriza por la distribución desigual del alumnado inmigrante entre centros educativos que no se explica meramente por la implantación territorial de las escuelas en áreas urbanas de alta concentración residencial de estas familias. En efecto, diversos estudios muestran que intervienen estrategias de selección del alumnado por parte de los propios centros y de elección de las familias en función de la buena o mala fama de las escuelas. La segregación escolar en España, tanto por nivel socioeconómico de las familias como por origen étnico o nacional, es un grave problema ligado a las políticas que han ampliado los márgenes de elección de la escuela por parte de las familias y afecta significativamente al desempeño educativo del alumnado. En este sentido, a la fragmentación de las experiencias educativas por la vía de los itinerarios específicos se agregan los efectos educativos y sociales de la segregación escolar en función de parámetros etnonacionales y socioeconómicos. Una última cuestión, no menos importante, concierne a las propias visiones de los docentes, las visiones dominantes sobre la heterogeneidad del alumnado y al papel de los docentes en la gestión de esa diversidad. En términos generales, los docentes encuestados por nosotros manejan una serie de creencias e ideas sobre el alumnado de origen inmigrante. Se trata de discursos altamente estereotipados en torno a sus posibilidades, expectativas y dificultades socioeducativas, según las cuales su origen social-cultural desempeña un papel organizativo y explicativo explícito. Los rasgos socioculturales de los entornos primarios de los alumnos conforman una pieza clave en los discursos elaborados en el ámbito escolar, y los docentes los consideran factores decisivos en las oportunidades educativas y de inserción social. Si bien es cierto que la falta de instrucción parental o la pobreza o la desestructuración familiar, como se suele decir, son elementos que se manejan como predictores de las oportunidades de cualquier alumnado, cuando se trata del inmigrante, aparecen en escena las pautas y valores culturales que son percibidos como factores específicos. En todo caso, se basan en imágenes deficitarias que se vinculan habitualmente y más o menos expresamente con la sociedad de origen. Por ejemplo, se sostiene que en sus países la educación formal y la escuela no tienen valor alguno, que los padres tienen en el modelo migratorio, privilegian el dinero, el trabajo y el ahorro, y que por tanto para ellos tampoco juega ningún papel la educación en la empresa migratoria. En este sentido, a las familias migrantes se le atribuyen expectativas e intereses exclusivamente ligados al trabajo y al ahorro. También se manejan imágenes sobre la escasa preparación de los padres y madres para apoyar la escolarización de sus hijos, o más ampliamente sobre la carencia de pautas de socialización, protección, cuidado, orientación o incluso contención afectiva de sus hijos. Las representaciones deficitarias se proyectan también sobre los sistemas educativos de origen, donde una parte del alumnado que migra, hay que olvidar que la migración es continua, ha iniciado su escolarización antes de llegar a España. Se le suele considerar de bajo nivel comparado con el español, deficientes en contenidos o con pedagogías obsoletas. Algo similar sucede con la lengua materna, a la que se considera en términos generales un obstáculo para la relación pedagógica. Tenemos que tener en cuenta que el alumnado de origen inmigrante procede de muchas direcciones, ¿no? De África, etc. Pero lo sorprendente es que en esta apreciación se incluyen las variantes del castellano latinoamericano.
Lo importante enfatizar aquí es, en primer lugar, que se trata de visiones altamente especulativas. La mayoría de los docentes declara no conocer los países ni las culturas de origen y, de hecho, reclaman sistemáticamente formación al respecto. En segundo lugar, estas carencias sirven como un espacio para justificar la manera de responder a las dificultades y diferencias del alumnado inmigrante a través de dispositivos y medidas específicas. Es decir, juegan un papel efectivo en la tendencia a desplazar a este alumnado del aula ordinaria hacia espacios itinerarios que, como he señalado, los van alejando de una trayectoria académica ordinaria e integrada. En tercer lugar, lo más importante a subrayar es que se va viendo un tratamiento de la diversidad sociocultural que podría calificarse de externalizante. Para decirlo de otro modo, los profesores y otros expertos del campo educativo tienden a atribuir el peso explicativo de la inserción y desempeño escolar de estos alumnos a factores ajenos, externos, que quedan fuera del control y del trabajo pedagógico y parecen no depender tanto de la intervención socioeducativa de los docentes o de los centros. De hecho, ellos y ellas reclaman sistemáticamente profesionales especializados para intervenir con este alumnado y sus familias. Nuestro trabajo ha puesto de manifiesto cómo, en las actuaciones de algunos centros con alumnado inmigrante, cada vez más cobran importancia figuras tales como mediadores interculturales, técnicos de integración, trabajadores sociales, profesorado de apoyo, profesorado de compensatoria. Así, las actuaciones con este alumnado tienden a dejarse en manos de agentes externos al núcleo de profesores. La genitud en términos etnoculturales atribuida a estas familias refuerza el mecanismo de exteriorización respecto a la escuela. Depositan en ella la responsabilidad en la integración y el éxito escolar de sus hijos. Así, las desigualdades socioeducativas, las causas estructurales y los sutiles artilugios que las animan se van diluyendo, puesto que parecen primordialmente como diferencias culturales que se traen de fuera. Para concluir, en mi intervención he intentado muy somera y resumidamente presentar un conjunto de procesos y mecanismos que se articulan de un modo específico, contribuyendo a generar las condiciones de segregación y exclusión socioeducativa de una parte del alumnado inmigrante. En dichos procesos intervienen, como espero haber mostrado, imaginarios sobre las migraciones, concepciones sobre la diversidad, sobre las dificultades educativas, sobre una formación válida o adecuada. Desde luego, las políticas han creado caminos para responder a la diversidad, pero que pasan por estrategias opuestas a ella. Lejos de ser inclusivas, favorecen la fragmentación de las experiencias de aprendizaje e integración social y afectiva para diferentes grupos y tipos de alumnos. Se tiende así a producir la segregación social y cultural en el interior mismo del sistema educativo. Y finalmente contribuyen, por tanto, a consolidar estereotipos etnonacionales. El trabajo docente ciertamente se basa en imágenes estereotipadas en muchas ocasiones, pero también hay que decir que el trabajo docente tiene lugar en unas circunstancias que les imponen sus propias constricciones y contradicciones. La legislación educativa atribuye a los centros funciones para tratar la diversidad cultural, pero luego, según se percibe, no proporciona los recursos adecuados para desempeñarlas. Los centros educativos tienen que hacer frente a los apremios y contradicciones que conlleva responder simultáneamente a su misión como centro público y abierto y a la vez estar sometido a las presiones que los actuales sistemas de evaluación y distribución de recursos fomentan en función de los mecanismos de la oferta y la demanda.
En definitiva, la diversidad se asume teóricamente, sin embargo, parece que en la práctica sigue concibiéndose como problema o dificultad a evitar. Como señalan Graciela Sieber y Gisela Untoiglich, la cuestión reside, y espero haber contribuido a ello, en repensar las condiciones para que los niños y jóvenes de cualquier condición puedan aprender, pertenecer y participar con sus diversidades en sus grupos de iguales. Muchas gracias. La doctora Alice Bayat es especialista en la relación entre migración, medio ambiente y cambio climático en la Organización Internacional para las Migraciones en Ginebra. Ha publicado y colaborado en numerosos artículos y capítulos de libros sobre el tema y es ponente habitual en conferencias y medios de comunicación franceses e internacionales. Recientemente ha sido coautora, junto con Mariam Traoré Chassan-Noël, de un capítulo sobre la migración climática en la obra colectiva La Guerra Caliente, cuestiones estratégicas del cambio climático, coeditado por Nicolas Regaud, Bastien Alex y François Gemin y publicado por la prensa de Science Po. Alice Bayat es doctora en Relaciones Internacionales por Science Po y dedicó su investigación doctoral a un análisis de las determinantes y características de la diplomacia climática en Bangladesh. El título de la conferencia de Alice Bayat es el impacto del cambio climático en la migración y el derecho a la educación. Buenos días, good morning, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de la conférence de m'avoir invité à partager avec vous quelques réflexions sur l'impact du changement climatique sur les dynamiques migratoires et les conséquences que cela a et va avoir de plus en plus sur l'accès à l'éducation des personnes migrantes et déplacées. Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'il existe très peu de recherches aujourd'hui sur les liens entre changement climatique, migration et éducation, ce qui limite encore de fait notre compréhension des obstacles réels à l'éducation pour les personnes qui migrent volontairement ou de manière forcée en raison des dégradations de leur environnement. On peut néanmoins citer quand même un rapport de l'UNESCO qui est paru l'an passé, donc en 2021, sur l'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation. Et l'Organisation internationale pour les migrations, pour laquelle je travaille, s'intéresse aussi aux liens entre migration, environnement et changement climatique depuis maintenant plus de 30 ans et s'intéresse de façon notamment croissante aux vulnérabilités et aux besoins spécifiques rencontrés par les enfants et les jeunes adultes en situation de déplacement. Et donc, dans le cadre de cette intervention, je voudrais vous donner tout d'abord un aperçu des migrations climatiques. Qui sont ces migrants? Combien sont-ils aujourd'hui? Combien seront-ils demain? Ce sera notamment l'occasion de déconstruire certaines idées reçues que l'on peut avoir sur ce sujet. Et je voudrais présenter ensuite les principaux obstacles à l'éducation auxquels se heurtent les enfants et les jeunes migrants et déplacés, avant de conclure sur, on va dire, une série d'orientations sur les actions qui peuvent être menées pour garantir leur droit à l'éducation et leur inclusion dans des systèmes éducatifs nationaux. Donc, tout d'abord, qu'entend-on par migration climatique? Eh bien, tout comme les conflits, les sources d'instabilité ou la recherche de meilleures perspectives d'avenir, les impacts du changement climatique, donc qu'ils soient progressifs comme la hausse du niveau des mers ou des températures, ou que ces impacts soient plus soudains, comme c'est le cas lors d'épisodes climatiques extrêmes, comme les cyclones ou les inondations, ces impacts ont des effets sur la mobilité humaine et en auront très certainement de plus en plus avec l'augmentation des impacts du changement climatique qui est annoncée par la quasi-totalité des scientifiques, notamment rassemblés au sein du groupe d'experts intergouvernemental pour le climat qui a sorti récemment son dernier rapport. Et donc, il est difficile néanmoins de prévoir dès aujourd'hui combien de personnes seront amenées à se déplacer dans les années à venir en raison des changements climatiques et environnementaux, même si cela pourrait être, on va dire, utile d'avoir ces chiffres pour des raisons notamment de planification, par exemple. Mais donc, il est difficile d'avoir ces chiffres. Néanmoins, la Banque mondiale estime, elle, que 216 millions de personnes à travers le monde seront amenés à migrer à l'intérieur de leur pays en raison du changement climatique d'ici 2050, et ce, principalement dans certaines régions du monde, à savoir l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et donc, cette estimation de la Banque mondiale nous donne un peu une idée de ce qui peut nous attendre dans les prochaines décennies,
Mais en réalité, l'ampleur de ces migrations dépendra surtout de notre capacité à agir dès aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique et en réduire ses impacts néfastes sur les populations. Mais cela dépendra aussi beaucoup des trajectoires de développement et des trajectoires démographiques de nombreux pays, à commencer par les pays les plus vulnérables au changement climatique, qui seront aussi du coup les plus directement concernés par ces migrations. Et donc, si on a assez peu de chiffres pour estimer, on va dire, l'ampleur des migrations climatiques dans l'avenir, ce que l'on sait avec davantage de certitude, c'est que les épisodes climatiques extrêmes déplacent, eux, chaque année déjà des millions de personnes. En 2021, selon le Centre de suivi des déplacements internes, ou IDMC en anglais, c'est 23,7 millions de personnes qui ont été déplacées à l'intérieur de leur pays par les catastrophes, inondations et cyclones largement en tête et principalement en Asie. Et toujours selon IDMC, cela fait plus de 10 ans maintenant que le nombre de personnes déplacées par les catastrophes climatiques chaque année est 2 à 3 fois supérieur à celui du nombre de personnes déplacées par les conflits et la violence. Et ce chiffre proposé par IDMC, c'est sans compter l'ensemble aussi des personnes qui sont déplacées par les dégradations lentes de l'environnement, comme la hausse du niveau des mers ou la désertification, dont le chiffre, lui, est beaucoup plus difficile à estimer que le nombre de personnes déplacées par les catastrophes, parce que dans ces cas-là, les phénomènes de dégradation, on va dire, lente de l'environnement sont beaucoup plus diffus, voire parfois même invisibles, et les facteurs climatiques sont dans ces cas-là bien souvent imbriqués à d'autres facteurs politiques, économiques, sociaux ou liés au genre, par exemple. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qui agissent bien souvent sur la décision ou la possibilité de migrer d'un individu ou d'une communauté. Et donc, cela veut dire que la migration climatique n'est pas un processus causal simple par lequel des personnes se retrouveraient amenées à quitter leur foyer en raison des effets directs du changement climatique, mais que le plus souvent, c'est un phénomène complexe et multicausal qui rend ce lien du coup, entre migration, environnement et changement climatique assez difficile à cerner. Mais ce qui est certain, et j'insiste sur ce point, c'est que la migration climatique, qui est très souvent, trop souvent présentée comme un enjeu de demain, est au contraire un phénomène déjà bien actuel qui appelle à des actions dès aujourd'hui. Et ce que nous disent aussi les données empiriques à notre disposition, et contrairement à une idée reçue que l'on entend encore assez souvent régulièrement dans les médias ou certains discours politiques, c'est que la très grande majorité des migrations et des déplacements dans le contexte du changement climatique surviennent à l'intérieur des frontières nationales et non à l'international. Ce qui veut dire que les pays les plus vulnérables, qui seront aussi les premiers à connaître ces migrations, seront aussi ceux à devoir gérer le plus ces migrations sur leur territoire. Et sur ces territoires, ce sont bien d'ailleurs souvent les villes qui sont aussi les premières destinations des migrants en raison des perspectives économiques et professionnelles qu'elles proposent et d'un meilleur accès aux services de base comme la santé, l'éducation ou la formation. Ce sont ces villes qui vont elles aussi devoir le plus souvent s'adapter à ces transformations. Mais donc, parmi ces migrants climatiques, combien sont au final des enfants et des jeunes adultes qui sont un peu les publics peut-être qui nous intéressent le plus dans le cadre de ces discussions sur le lien aussi avec l'éducation. Selon IDMC, encore une fois, qui produit donc chaque année des rapports sur le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays par les conflits et les catastrophes, et IDMC consacre cette année d'ailleurs son dossier thématique à l'impact du déplacement sur les jeunes, ce sont en 2021 environ la moitié des personnes déplacées qui étaient des enfants et des jeunes adultes de moins de 24 ans. Et selon l'index du risque climatique pour les enfants, c'est environ 1 milliard d'enfants de moins de 18 ans qui vivent aujourd'hui dans un pays à haut risque climatique. C'est 820 millions d'entre eux qui sont exposés aux vagues de chaleur, 920 millions au stress hydrique et 870 millions aux cyclones et aux inondations. Et on dit aussi qu'un enfant qui est né en 2020 aura 6 à 8 fois plus de chances de connaître des vagues de chaleur et près de 3 fois plus de chances de vivre une inondation qu'une personne qui est née dans les années 60. Et donc, le droit à l'éducation et à la formation dans le contexte de ces crises climatiques de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes se voit directement menacé pour différentes raisons. Et pourtant, l'impact du changement climatique sur l'éducation a été très largement absent jusqu'à présent des débats politiques et scientifiques sur le changement climatique et la participation des acteurs éducatifs à ces discussions est elle aussi restée très marginale. Pourtant, l'objectif de développement durable 4,
consacrée à l'éducation reconnaît que les catastrophes, les pandémies, les conflits, ainsi que les déplacements internes et transfrontaliers qui en découlent, peuvent traumatiser des générations entières qui se trouvent privées d'éducation et mal préparées à contribuer au relèvement social et économique de leur pays ou de leur région. Et donc, assurer le droit à l'éducation de toutes ces personnes, migrantes, déplacées et réfugiées, y compris dans le contexte du changement climatique, c'est une responsabilité collective qui engage tous les pays à développer des systèmes éducatifs inclusifs, réactifs et résistants. Et donc, que nous dit pourtant le droit international par rapport à ça, que fait déjà le droit international par rapport à ces questions? On peut dire qu'à l'heure actuelle, aucun instrument normatif international n'encadre spécifiquement la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique, ni ne protège spécifiquement les droits et les besoins de ces personnes, en tout cas des migrants, de leur famille et de leur communauté. La Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés, par exemple, ne s'applique pas aux migrants climatiques, ce qui veut dire que ceux qui franchissent une frontière ont de grandes chances d'être considérés comme des migrants irréguliers, à moins qu'ils ne bénéficient d'un accord bilatéral ou d'un visa. Et de la même manière, les migrants ou les déplacés climatiques internes ne bénéficient eux aussi d'aucune forme de protection spécifique. Et pourtant, et ça peut prêter un peu à un certain optimisme, plusieurs cadres internationaux portent aujourd'hui une attention croissante aux conséquences du changement climatique sur la migration et sur l'éducation. Je citerai notamment les deux pactes mondiaux sur les migrations et sur les réfugiés, mais aussi l'accord de Paris sur le changement climatique ou le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Tous reconnaissent aujourd'hui l'influence des facteurs climatiques sur la mobilité humaine et la nécessité de se préparer et de répondre à ces défis. En complément, la déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique de l'UNESCO de 2017 invite aussi les États à veiller à ce que tous les individus bénéficient de possibilités d'apprentissage qui les aident à comprendre, à s'adapter au changement climatique et à contribuer au développement durable. Et à cela s'ajoute bien entendu un droit universel inaliénable à l'éducation pour tous, fondé sur les principes de non-discrimination, d'égalité dans l'éducation, y compris pour les personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières. Et donc, ces cadres internationaux rappellent la nécessité de protéger le droit à l'éducation pour ces migrants climatiques, notamment en renforçant la résilience des systèmes éducatifs dans les pays qui sont les plus affectés par ce changement climatique, mais aussi en offrant un accès à l'éducation aux personnes qui sont déjà déplacées, notamment par les catastrophes, et enfin aussi en facilitant les migrations internationales qui soient sûres et régulières, afin que ces personnes ne se retrouvent pas en situation irrégulière avec l'ensemble des difficultés et des risques que l'on connaît. Et donc, justement, ces difficultés et ces risques, on sait qu'en pratique, les migrants climatiques, qu'ils soient internes ou internationaux, sont confrontés à plusieurs obstacles pour accéder à l'éducation et à la formation. Et ce sont généralement des obstacles assez similaires à ceux qui sont rencontrés par d'autres types de personnes migrantes et déplacées. Ces obstacles peuvent être, par exemple, d'ordre administratif, lorsque les documents nécessaires à une réinscription scolaire ont été perdus ou laissés derrière, voire même détruits lors d'une catastrophe. Mais ces obstacles peuvent aussi être d'ordre financier, lorsque les frais de scolarité, par exemple, dans le lieu d'accueil, sont impossibles à assumer par la famille, ou que l'éducation se voit reléguée au second plan, derrière la nécessité pour les jeunes de rentrer rapidement sur le marché du travail pour contribuer aux ressources de la famille. Les obstacles peuvent aussi être d'ordre linguistique ou liés à la xénophobie, ainsi qu'aux traumatismes liés au déplacement et au déracinement de ces jeunes. Et peut-être de manière plus spécifique, cette fois aux migrants climatiques, on observe aussi que les dommages aux infrastructures éducatives qui sont causés par les catastrophes climatiques ou dans certains cas même la réquisition des bâtiments scolaires pour servir d'abri aux communautés qui ont perdu leur domicile, ces impacts, en tout cas ces dommages, sont aussi des atteintes, une forme d'atteinte en tout cas à l'accès à une éducation formelle de qualité et continue. On a aussi pu observer dans des pays, notamment par exemple comme le Bangladesh que j'ai eu l'occasion de visiter et d'étudier pendant un certain temps, que la migration circulaire, qui est une forme de stratégie de plus en plus utilisée par des ménages,
qui ont perdu leurs moyens de subsistance, qui reposaient notamment sur l'agriculture, et on sait que l'agriculture est le secteur économique le plus impacté par le changement climatique, pour ces ménages, soit parce qu'ils ont perdu leurs moyens de subsistance, soit parce qu'ils sont contraints de quitter leur lieu de résidence pendant certaines périodes de l'année en raison de conditions météorologiques extrêmes. On peut penser par exemple au Bangladesh, aux périodes d'inondations qui généralement inondent le territoire pendant des semaines, voire des mois, et obligent les populations qui y résident à quitter temporairement leur domicile. La migration circulaire, dans ces cas-là, peut aussi perturber l'éducation et contraindre, dans le pire des cas, les enfants au travail précoce. Je voudrais aussi citer d'autres barrières qui peuvent être cette fois plus liées au genre ou au handicap et qui entrent également en jeu quand on parle d'éducation. Les filles sont le plus souvent les premières à être retirées de l'école lorsque les moyens financiers sont limités. Et on a observé, par exemple, en Somalie, à la suite d'une vague de migration des campagnes vers les villes, suite à des inondations, à la sécheresse et aux conflits dans le pays, que les garçons étaient davantage rescolarisés dans les lieux d'accueil que les filles. Et les filles sont aussi davantage confrontées à des obstacles à leur éducation dans les camps déplacés, que ce soit à la suite d'un conflit ou d'une catastrophe, notamment en raison du manque de transport sûr pour que ces filles puissent aller à l'école, ou d'une formation spécifique des enseignants qui soit adaptée aux besoins spécifiques des filles, parfois, pour accéder à l'école, mais aussi de l'augmentation. En tout cas, une autre barrière pour les filles, c'est bien entendu l'augmentation des grossesses et des mariages précoces. Et donc, l'ensemble de ces obstacles accroissent finalement les inégalités, impactent les performances scolaires des élèves et des étudiants qui sont migrants et déplacés ou seulement affectés par les changements climatiques dans leur lieu d'origine. Et ces obstacles nous imposent de réfléchir à de nouvelles politiques éducatives, à des pratiques pédagogiques qui soient capables de nous permettre de nous adapter à ces réalités et de créer des systèmes éducatifs inclusifs et résilients. Et donc, du coup, ça m'amène, j'arrive sur la fin de mon intervention, je voudrais en fait vous proposer quelques orientations et pistes d'action pour préparer la communauté internationale de l'éducation aux défis qui sont posés par le changement climatique, aux impacts sur la migration et à la pression que cela va exercer sur les systèmes éducatifs. Premièrement, je pense qu'il est nécessaire d'investir dans plus de recherches sur les migrations climatiques, de manière à mieux comprendre ce phénomène, mais aussi dans la collecte de données désagrégées par âge, sexe, statut migratoire ou autres caractéristiques, afin aussi de pouvoir mieux planifier et budgétiser l'éducation en conséquence et de pouvoir mieux intégrer ces personnes. Deuxièmement, les États doivent veiller à ce que le droit à l'éducation soit protégé dans les lois et les politiques pour toutes les personnes présentes sur leur territoire, et ce sans discrimination, et en levant notamment certaines barrières administratives qui sont rencontrées par les apprenants déplacés. Troisièmement, il faut renforcer la résilience des systèmes éducatifs en planifiant notamment une éducation qui soit adaptée aux crises afin de pouvoir protéger les infrastructures et les investissements éducatifs, d'assurer une continuité dans l'éducation malgré ces crises et de réduire les inégalités et l'exclusion scolaire qui est aggravée par ces crises. Quatrièmement, je pense qu'il faut aussi garantir l'accès à une éducation pour toutes les personnes migrantes et déplacées, y compris par le changement climatique, en préparant nos systèmes éducatifs à absorber ces nouveaux apprenants et parfois de manière rapide, comme c'est le cas en cas de déplacement massif et soudain de populations liées à une catastrophe. Et ça passe par exemple par la levée des obstacles financiers ou par le développement de programmes éducatifs qui seraient aptes à s'adapter à la situation particulière d'enfants qui sont amenés, comme c'est le cas parfois lors de la migration saisonnière, à devoir quitter et réintégrer l'école en fonction des saisons, des aléas naturels ou des mouvements migratoires. Et il faut pouvoir s'adapter à ces situations-là. Cinquièmement, la formation des enseignants. Il faut former nos enseignants non seulement aux enjeux du changement climatique, mais aussi leur permettre de faire face à ces défis, aux défis par exemple de gérer des classes de plus en plus multilingues, de plus en plus multiculturelles, mais aussi aux traumatismes et au stress de leurs élèves. Sixièmement, et ce sera mon dernier point, il faut aussi créer des canaux légaux de migration internationale et accroître la coopération régionale et internationale pour réduire les vulnérabilités auxquelles sont confrontés les migrants en situation irrégulière pour accéder à l'éducation et dans lesquelles les migrants climatiques ont de fortes chances de se retrouver eux aussi
faute de reconnaissance d'un statut ou de droit spécifique. Et donc, il est notamment essentiel à cet égard de soutenir, y compris financièrement, les pays en développement les plus vulnérables au changement climatique pour qu'ils puissent s'adapter à ces impacts, qu'ils puissent protéger leurs infrastructures et leurs systèmes éducatifs et pour qu'ils puissent garantir un accès à l'éducation pour leurs populations affectées et déplacées par le changement climatique et par d'autres causes. Et donc, en conclusion, je dirais qu'il est vraiment nécessaire de prendre dès aujourd'hui des mesures pour garantir l'accès à l'éducation, y compris dans ces contextes de crise climatique, et permettre aux systèmes éducatifs d'être résilients face à une mobilité humaine qui est croissante. Et comme je le disais en introduction, la migration climatique n'est pas un enjeu de demain, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Et donc, il faut agir aujourd'hui, y compris pour assurer le droit et l'accès à l'éducation de ces personnes. Et donc, ça passe par le renforcement de nos systèmes éducatifs, notamment dans les pays les plus vulnérables. Ça passe aussi par la préparation de nos systèmes éducatifs dans les pays et dans les régions d'accueil afin d'absorber davantage d'apprenants de langues et de cultures différentes. Mais ça passe aussi par le fait de faciliter une migration internationale qui soit bien gérée, planifiée, sûre et légale afin d'éviter que les personnes ne tombent en situation régulière et ne soient exposées au risque de trafic, d'exploitation, mais aussi d'exclusion scolaire. Et c'est ces mesures qui permettront aussi de réduire ces déplacements forcés et leurs conséquences négatives sur l'éducation et sur les droits fondamentaux des personnes affectées par le changement climatique. Je m'arrêterai là. J'espère vous avoir laissé avec quelques pistes de réflexion et d'action intéressantes à explorer et à creuser dans le cadre de vos échanges. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Les agradecemos a los referentes institucionales de la UNIPE y la UNSAM, a los referentes de la AMSE y a los académicos Marguerite Altet, Robert White, Adela France y Alice Bayat, con cuyas contribuciones damos por iniciado el vigésimo Congreso de la AMSE. El Congreso se desplegará en mesas y simposios organizados por eje temático. Nos reencontramos en modo plenario en la conferencia de clausura del Congreso que tendrá lugar el día jueves 9 de junio a las 12 horas del mediodía, hora argentina. Muchas gracias.